en ce moment. Petit disclaimer, sachez que je n'ai jamais fait de vidéo make-up tutoriel. Donc je suis naturellement très beauté. Je n'ai pas besoin de maquillage. Donc j'ai lavé mon visage préalablement avec du savon. Débute assez rapidement avec ma crème hydratante que j'ai. J'ai cherché de crème hydratante, je n'ai pas. Alors j'ai ça. C'est un body lotion de Nivea. Donc nous allons prendre un petit émoustillon de crème que nous allons par la suite appliquer sur notre visage. Bon, s'expirer, c'est pas grave. Donc là, le problème, en fait, c'est qu'elle utilise une brosse, mais je n'ai pas de brosse pour mes sourcils, en fait. Donc, je me suis équipée, j'ai emmené ceci. Voilà. Quoique, je ne comprends pas trop le pourquoi, mais... Il faut aussi que nous passions du crayon. J'ai un crayon, mais c'est marron. Donc, j'ai un truc comme ça, c'est noir. Je crois que j'en ai un peu trop mise. Des longs cils. Donc moi, ce que je fais, c'est que je reste une dizaine de... Je n'ai pas de recours aux cils. Donc utilisez ce que vous avez chez vous. Donc, c'est une astuce que j'ai appris sur l'internet. Donc prenez vos doigts, mettez-les sous vos cils et après... Ramenez vos cils contre vos paupières et par la suite, laissez chauffer pendant une dizaine à vingtaine de secondes. Une petite astuce, c'est aussi que vous fassiez des zigzags pour qu'il n'y ait pas de boules. Là, elle va utiliser du concealer. Par contre, du concealer, je ne sais pas c'est quoi et j'en ai pas. Je crois que c'est un pot de peinture, je ne sais pas. Il faut prendre un petit peu de... Un petit peu, hein. Et de cacher ses cernes. Parce que vous voulez pas qu'on vous voit avec vos cernes, ça fait peur. Normal. Je peux utiliser le fond de teint de ma mère. Elle est plus pâle que moi. Donc on va essayer quand même. Ok. Dites-moi le micro un petit peu parce qu'il... Je voudrais aussi vous m'excuser pour mes cheveux très très gras. Vu que je ne pars pas à fréquenter en cette période de quarantaine, je ne lave point mes cheveux. Et là, on va se diriger vers les yeux et on va mettre un tout petit peu de noir sous l'œil. Par contre, j'ai appris une astuce, attention. Comment pouvez-vous mettre votre eyeliner avec... Comment dit stress collant en français? Ruban adhésif. Donc, en gros, mettez du ruban adhésif dans votre crayon eyeliner. Putain, mais l'horreur. Bon, à ce stade, il n'y a pas pire. Maman pour 12 mois après parce qu'il m'en gâte tout. Bref, je viens prendre le rose le plus clair et j'en applique non pas à l'extérieur des joues mais bien au
elle dit qu'il faut prendre un rose. Là, il n'est pas une carte disparaître. Ah, ça c'est rose. Le rose que j'ai utilisé, c'est eyeshadow. Et de la lighter, toujours de la même palette. Après, il faut mettre de la lighter. Par contre, moi je n'ai pas de highlighter, je n'ai que celui-là. Donc, Stabilo Highlighter. Que nous allons appliquer. Highlighter. Comme si je n'avais pas assez à gâcher mon visage, je vais aussi faire un smokey eye. J'ai tout mélangé avec mon doigt parce que je n'ai pas le crayon. À ce point, je dirais qu'on m'a tapé. Horrible comme tout. Les poses que les youtubeuses font habituellement. I can do a total eclipse of the heart.